Chers amis, bonjour. Et nous voici arrivés au 24 février. Aujourd'hui, c'est lundi, le lundi au soleil. Et nous poursuivons notre approfondissement des Écritures à travers ce que nous propose la liturgie d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle nous propose de continuer notre lecture à travers la lettre de Saint Jacques au chapitre 3, au verset 13 jusqu'au verset 18. Bien-aimés, quelqu'un parmi vous a-t-il la sagesse et le savoir? Qu'il montre par sa vie exemplaire que la douceur de la sagesse inspire ses actes. Mais si vous avez dans le cœur la jalousie amère et l'esprit de rivalité, ne vous en vantez pas, ne mentez pas, n'allez pas contre la vérité. Cette prétendue sagesse ne vient pas d'en haut. Au contraire, elle est terrestre, purement humaine, démoniaque. Car la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris. Sans hypocrisie, c'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. Parole du Seigneur. Nous faisons une petite pause musicale, une découverte musicale, et puis nous nous retrouverons juste après. Saint le Seigneur, bon Dieu, nous papa dans l'univers. Saint le Seigneur, où gloire y remplit le ciel, la terre. Hosanna, Hosanna, ciel et terre y chantent Hosanna. Hosanna, Hosanna, ciel et terre, ils chantent Hosanna. Merci pour ton Fils bien-aimé, le Sauveur, vous l'envoyez pour nous. Hosanna, 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 ciel et terre, ils chantent Hosanna. Hosanna, 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 ciel et terre, ils chantent Hosanna. Ciel et terre, ils chantent Hosanna. Ciel et terre, ils chantent Hosanna. Alors, fais un petit peu la politique. Oui, mais il ne peut faire la politique. Quel intérêt n'avait un candidat déclaré? Quel intérêt de briguer un poste de responsabilité quand il a fini avoué, et qu'il était confirmé par la justice et par la presse, bien sûr, que il a détourné des fonds, qu'il a eu recours à des emplois fictifs, que il a fait des malversations, il a incité des intimidations, qu'il a eu des insultes envers les autres partis politiques, hein, les autres boucs qui présentent à autres en même temps que lui pour les élections. Mon Dieu, moi, ces autres, ils entendent les insultes. Comment, plus proche de nous, une mère de famille, il peut reprendre la vie avec le papa de son enfant ou de ses enfants quand ce personnage la finit humilier à elle, la finit séquestre à elle, la finit force à elle dans le lit. Sans consentement, la finie salit son image devant ses amis, devant sa famille, la finie humilie à elle devant bon nombre de personnes. Comment cette maman-là, il peut reprendre la vie avec le papa de ses enfants? Comment nous peut dire que nous les sages, nous gonflons notre estomac, nous faisons le petit coq bataille à toi-même le roi quand tu crois que voilà, il plie devant ton loi. Comment nous peut gonfler l'estomac pour dire, nous les sages, que nous n'avons le savoir et que nous ne mène pas une vie exemplaire.
C'est quoi une vie exemplaire? C'est une vie avec la douceur, la sagesse qui inspire ses actes. Et si jamais, des fois, ma fille entendu des gens y causent entre eux autres, surtout des bonhommes, dit t'es là, vendredi soir, ma fille, un cuit de bar, ma balle, je ne comprends pas comment Zandame l'a fait pour pas arrêter moi. Est-ce une gloire? Est-ce une gloire, mes amis? Est-ce une gloire de mettre sa vie en danger, de mettre la vie des autres en danger, de mettre du matériel en danger, de risquer de mobiliser les forces de l'ordre qu'il n'a peut-être autre chose à faire, de mobiliser les pompiers, la SAMU, le SMUR, le personnel hospitalier, juste pour faire l'intéressant, pour faire un cuit un vendredi soir. Et cette sagesse, là, il croit, il est sage, il a ce personnage-là, mais en fin de compte, ben, il a pour détruire lui, et il vaut pas la peine, il vaut pas la peine vendre à lui. Et Nana de Moni applaudit, ouais, t'es, vous l'avez fait ça, ouais, vous l'avez bon, hein? Pas mauvais, pas mauvais. Finalement, au fond de nous-mêmes, nous connaissons que la pointe d'intérêt à faire ça. Alors que ça, c'est un Jacques qui dit à nous aujourd'hui, il dit à nous que la vie en douceur, la vie dans l'observation, dans la bienveillance, dans la paix, il est rempli de miséricorde, il porte des bons fruits. La fin arrive à moins entendre des histoires où ça avait des conflits entre les personnes, entre deux frères. Conflits, conflits, histoire la thèse, histoire l'héritage, histoire jalousie. Et Nena, un de ses frères-là, il vient rendre conseil auprès du sage. Et il demande au sage, que ça faut m'y faire parce que samedi, les cieux ça croise aller. Et nous ça râle le compte, que ça faut m'y faire. Le sage a dit comme ça, laisse tout dans la main, bon Dieu. Dis bon Dieu assis côté où et à ouvre pas de bouche, pas besoin ouvre votre bouche parce que si ouvre votre bouche, il va ouvrir son bouche, il va crier fort et va crier plus fort que lui et il va recrier plus fort que vous, il finira jamais. Quelquefois, chers amis, chers couples, chers parents, chers enfants, quand on est en face d'un conflit, eh bien, le plus souvent, c'est le silence, l'accueil du silence et laisse Jésus mûrir dans notre cœur. Nous les fatigués, nous les sous pression, mettre YouTube, écoute deux, trois chants de louange, deux, trois chants d'adoration. Nous, ça, nous veut mettre les points sur les i, nous veut faire crève l'abcès, comme il dit, ou ça fait crève l'abcès, mais en fin de compte, où ça dit des paroles que va blesser la personne en face. Et les paroles, la personne en face, il laissera pas le faire, il va dire des paroles va blesser. Et en voulant gagner un combat comme ça, on aura deux vaincus, un à droite, un à gauche, et un torrent de haine, un torrent de colère entre les deux. Est-ce qu'il vaut la peine? Et du coup, parle plus, si nous voulons avancer, si nous voulons avancer vraiment dans notre entente entre frères et sœurs, entre mari et femme, entre parents et enfants, il faut nous oublier le passé, il faut nous avancer doucement, et puis il faut nous donner confiance parce que Dieu est avec nous et sachons aussi si Dieu est avec nous, pourquoi Dieu sera pas non plus avec le personne en face, quoi. Si Dieu est avec moi, pourquoi Dieu sera pas avec mon garçon aussi, inspira lui aussi. Mais si nous commençons, rentre dessus, au lieu de dire merci Seigneur, merci nous les en face à face, merci Seigneur, mais il n'a pas un sable dans la main, merci Seigneur, il n'y a pas un opinel dans la main non plus. Donc nous savoir une discussion d'écoute, d'échange pour pouvoir améliorer la situation, pour pouvoir avancer. Mais Seigneur, mettre dans mon cœur, pas besoin, mettre dans mon cœur des reproches. Ou bien des doigts pointés, si l'autre fois, rappelle que ça l'a fait, oui, m'a fait grandir haut pendant 23 ans et aujourd'hui, garde que ça fait que moi, pas de reproches. Nous accueillons justement les petites flammes que les vacillantes dans le cœur, dans mon cœur et dans le cœur de la personne en face, et nous prenons notre main comme si, tu vois, comme si on en a un petit peu la brise et on en a un bougie dans notre main là, ou protège cette entente, ou protège cette lumière là. Chers amis, en ce jour, moi, je propose aux autres, ben, je propose à nous, justement, d'avoir ce regard de pitié, ce regard de miséricorde, ce regard de sagesse, à travers notre vie, à travers surtout notre comportement, et ne pas déborder quand on a la colère, nous calme à nous mettre tout dans la main du Seigneur. Allez, nous mettons tout dans la main du Seigneur jusqu'à demain, ou bien jusqu'à l'éternité. Nous retrouve. Bye bye.